Bonjour à tous. Alors aujourd'hui en fait, il y a quelques jours, j'ai commandé un kit de slime et je l'ai reçu. Je vais vous montrer, je l'ai mis par terre. Je reviens. Voilà. Alors, Unicorn Slime Kit. C'est marqué là. Et ici, il y a ce qu'on pourrait faire comme slime. Voilà. On va essayer tout ça. C'est parti, mon kiki. Alors, désolée. Voici le mode d'emploi que vous aurez. Il y a de la colle, de la glue, enfin tout ça. Hop là. On va le présenter comme Sémis. Bon, voilà, on a tout installé. La colle, le borax, le truc pour remettre le borax quand ça sera prêt. Et ça, il faudra le mettre avec de l'eau. Les récipients, ça c'est pour doser, ça pour mélanger, pour après dès qu'il sera fait pour un peu jouer. Des perles, bleu, rose, violet et blanc. Après, des parfums vanille, fraise, ça c'est bonbon, chewing-gum, des petites mousses, des petits carrés de mousse, de l'argile. Regardez comme c'est trop satisfaisant l'argile. Regardez. C'est trop bien l'argile. On va mélanger ça avec du slime. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère trop bien. On croise les doigts. Des petites billes transparentes. Des perles. De la fausse neige. Après. Attendez, je monte. Comme des écailles. Enfin, je sais pas. Moi, j'appelle ça des écailles de sirène. Bleu, rose et violet. Après, ici, il y a des colorants. Rose, bleu, violet et blanc. Voilà. On va essayer tout ça. Et aussi pour la boîte que vous recevrez, ne la jetez pas, surtout pas. Parce que comme ça, vous pourrez ranger des trucs, ranger vos slimes. Enfin voilà. Et ce mode d'emploi, il va beaucoup nous servir. Et je voulais la blague qui est dedans. Que dit la limace quand elle coule le long d'un mur? Devinez, je laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Un slime qui vole. Parce que quand on l'accroche à un mur, le slime, en fait, ça va lentement, comme une limace. Vous avez compris? C'est que vous avez compris. Enfin, vous verrez. Du coup, on va essayer. Et en fait, il y aura sûrement une partie ce soir. Oui, parce que là, on est le soir. Et une partie demain. Du coup, c'est parti, on va essayer tout ça. Alors, on va commencer avec le slime de base. Alors, on va déjà pousser le récipient où il va être. Et ça c'est la colle, c'est avec ça qu'on va remuer. Il faut mettre 30 ml de colle. On va commencer. 30, il est ici. Il est ici, 30. 10, 20, 30. On va commencer. J'espère que notre premier slime va bien faire. Un peu chaud patate. En fait, là, c'est le seul moment où j'ai pas confiance en moi, en fait. J'ai pas du tout confiance. Vas-y, tu vas voir. Là, ça monte vite. Stop. Je sais pas, cette vidéo allait prendre trop de stress. Hein. Trop de stress pour moi. Ah, regardez ça, commence à marcher. Regardez. Ça nous a pris un peu de temps. Je pensais que c'est bon là. Parce que c'est bon. Magnifique. Est-ce que je le prends dans mes mains?
Attends, juste au cas où je remonte mes manches. Juste au cas où. Regarde là, c'est magnifique. Cette tournée, cette vidéo tourne au cas où. Est-ce que je te prends dans mes mains? Oui, aussi. Oh, ça va. Oh, ça passe. Ça passe. Ça passe. Oh non, pêche. Ça colle. Oh non, pêche. C'est bien là. Oh, ça colle. Ça colle. Ça colle. Maman, ça colle. Vous vous en souvenez dans la vidéo où je parlais comme ça? En fait, c'est pas pour rire, hein. On va essayer le tout pour le tout. On va mettre de la colle, du colorant bleu. C'est moi qui ai choisi, hein. Vous n'êtes pas obligé. Vous prenez la couleur de votre choix. Non, mais une petite goutte. Mettez une petite goutte. Prends-toi, prends-toi. Mais qu'est-ce que je vais créer un monstre. Allez voir la vidéo de Sam le slime. Je sais pas si vous connaissez, mais allez voir sa vidéo. On va faire du slime beurré, normalement. Il faut simplement rajouter une quantité... Pour du beurre, ça c'est du beurre fondu. Hein. Équivalente d'argile. Hein? Voilà, préparez un slime de base et ajoutez la couleur de votre choix. Et ajoutez une quantité identique d'argile. Remuez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Préparez-vous du chiffon. On va essayer de sauver tout ça. On va essayer de sauver tout ça. Allez, transforme-toi. Je veux du beau slime, moi. On va rajouter un peu de couleur. Pas du caca. Je veux du beau slime. Oula. Allez, mets de la couleur. Allez, slime. Allez. Je préférais avoir les mains sèches, pas ça. C'est beau. C'est beau ça, c'est beau. Est-ce que c'est satisfaisant? Non, ben oui en fait. Si vous voulez avoir les mains comme ça, achetez ce kit. Faites que ça marche, cette bêtise. Ce que vous avez vu avant. Ah ça, ça va. Ça va. Ça va, ça va, vraiment. Malaxe-le bien. Regardez, ça passe maintenant. En fait, vraiment, faites pas du slime déjà de base. Faites pas. Directement rajoutez des trucs. Direct. Voilà. Oui, du bleu, c'est beau le bleu. Enfin, je vous signale, la couleur va rien changer à votre slime. Enfin, sauf la couleur, mais. Voilà. Je vous dis juste ça. Qu'est-ce que je fais, maman? Continue à m'alaxer. Merci. On est importante, on est importante. Ça va, elle a l'air sympa. Oui, elle est sympa, vraiment. En vrai, ça passe. Ça passe, en vrai. Bon, et ben voilà, ce slime est fait. On va mettre quelque chose. Regardez pas. Des lits de polystyrène. Mais un tout petit peu, pas beaucoup. Il ressemble un peu au slime qu'on avait fait dans l'ancienne vidéo. Tout ressemble aux lits de polystyrène. Hein. Mais dans une autre. Avec la couleur. Waouh. J'allais pas m'en douter qu'en fait cette vidéo elle est tournée comme ça en fait. Je pensais que ça allait faire un truc bien direct en fait. Mais en fait là, quand on a rajouté l'argile, c'est beaucoup mieux en fait. Déjà l'argile tout court c'est trop bien. Plus ça, c'est magnifique. Magnifique ce truc. Je vais faire un petit bout. Hop là.
à faire une petite rose. Et voilà, la petite rose est faite. Bon, voilà, on va le mettre dans le petit seau, enfin pot, je veux dire. La petite rose. Pour le conserver. Voilà. Et bien sûr, on n'a pas oublié le couvercle. Voilà. Voilà. Bon, et ben voilà. Maintenant, on va faire un slime nu. Où c'est nuage, là. Et pour ça, bah, il nous faudra, comme la vidéo qu'on a tournée hier, bah, le slime de base, beaucoup trop liquide. Et n'oubliez pas de prendre de la fameuse argile. Sinon, ça marchera. Pouic. Non, ça marchera pas. Du coup, on va en mettre et ben, maintenant, tout à l'heure, parce que pour faire le slime nuage, il vous faudra de l'eau. C'est marqué 100 ml d'eau, mais ce sera beaucoup, beaucoup trop. Du coup, on en a enlevé un peu. Et il faudra de la poudre de neige. C'est ça, la poudre de neige. Et on mettra comme ça. Alors, on a essayé 30 ml d'eau pour un tiers du petit sachet. Un tiers voilà. Du petit sachet, voilà. Autrement, pour 100 ml, il faudrait le sachet en entier et utiliser simplement 20 ml de poudre. Ça serait, je pense, un peu de gaspillage. Alors, pour éviter de gaspiller la neige, on prend 30 ml d'eau, à peu près, pour un tiers du sachet. On va essayer. On va essayer comme voilà. Ça. Et ben, maman, je compte sur toi pour me dire stop. Vas-y, c'est parti. Comme ça. On dirait vraiment de la neige, en fait. Voilà. Alors voici mon slime de base. Trop, beaucoup trop liquide. Je pense qu'on va commencer à sortir l'argile. Je pense qu'il en faut beaucoup là. Hop là, on va déjà prendre ça. Et après, on verra s'il nous en faut un peu plus. Voilà, je vais couper ce qui est resté. C'est pas mieux que je le sorte en fait. Voilà, on a pris un petit récipient, on va le mettre dedans. Oula, il veut pas se décrocher. Hein, décroche-toi. Je m'énerve dans une vidéo, le slime. Je m'énerve. Reste là. Voilà. Attends, je vais déjà faire. Je vais mettre la neige maintenant. Regardez cette belle consistance. C'est trop bien la neige. Hop là. Tout mettre. On met la 12. On met tout. On met tout. On est fou. Voilà. Regardez cette belle consistance de neige. On dirait vraiment de la neige. Maintenant, on va faire un slime nuage. Oh, ça va, franchement. Franchement, c'est bien en fait. Non mais regardez ça. Oui, on reprend à la vidéo normale. Regardez, écoutez juste. Et il est trop agréable, c'est trop agréable. Et si Chloé, tu regardes cette vidéo, et ben, je te fais de gros bisous. C'est ma copine. Voilà. Regardez cette belle consistance. Waouh. Beaucoup trop. Du coup, ça va être blanc et rose. C'est beau quand même. Ça fait du rose pâle. Oula, c'est gros rose. Hop là. Je pense qu'on en a fini avec celui-là. On va le mettre dans un récipient. Ah non, j'ai oublié. On va mettre le parfum bonbon. On va mettre parfum bonbon. Ça va sentir très bon. Oh, ça rime. Il y a une petite dernière. Et vous avez vu mes mains? Bonbon.
Ça sent trop bon. Voilà. Bon, voilà. On va mettre le couvercle pour pas qu'il sèche. Petit slime. Va rejoindre tes colocs. Ton colocataire. Et voilà mon slime en neige. Bon, voilà. Et ben voilà. Enfin, le slime qu'on avait fait. Oh, c'est chaud ce truc. Le slime qu'on avait fait juste avant. Du coup, en fait, là, on voulait faire des jelly cubes. Mais en fait, comment dire? On a mis des cubes avec le colorant, ok, avec de l'eau. Mais il faut attendre 24 heures. Du coup, vous verrez ce slime fait demain. Et pour vous, ce sera tout à l'heure. Bon, en attendant, et ben, on va faire d'autres slimes. Ben voilà, on a refait le slime de base. On va le mettre dans un récipient comme ça. Si vous voulez l'acheter, je sais pas où on l'a acheté. Je peux rien vous dire. Oh. Et toi. Là. C'est quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas pourquoi. J'ai une forte envie, plus forte que moi en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Ça, je vais mettre là-dedans. Bon, et ben voilà, mon caca est fait. Slime, j'ai rajouté de l'argile. Maman, allez, tu peux rajouter de l'argile. L'argile, ce sera mon sauveur. Pas le borax, mais l'argile. Du borax qui tient. Si vous voulez avoir les mains comme ça, je ne vous conseille pas. Moi je vais m'asseoir, hein. Ça va être plus pratique. Putain, alors je suis debout, mais je me fatigue. Dépêche-toi, transforme-toi. Transforme-toi, petit slime. Magie de slime. Magie. C'est mieux avec le borax, c'est mieux. Oui, c'est quand même mieux. Ça se décolle un peu quand même. Ça se décolle un peu. Bon. Comme hier, ça s'est transformé, je suis contente. Maintenant, on va rajouter des perles transparentes. Non, pas peut-être pour tout, ça serait trop lumineux. Je vais pas tout mettre. Tiens, je suis pas au feu, moi. Allez, c'est perdu. Regarde ces belles perles. Non, on va mettre le colorant violet. Comme ça, il y aura bleu, rose, violet. Et sors-toi, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Oui. Voilà. Ça va être assez, je pense. A few minutes, Mulder. Bon, et ben voilà, j'ai bien malaxé. Du coup, ça fait un violet très pâle en tout cas. Bon, et ben comme là, déjà je vais vous montrer le slime. Oui, toutes les perles tombent, j'en ai marre. Ils sont très bien ces kits de slime. Voilà! Comme vous voyez, ça tombe à chaque fois.
À chaque minute, ça tombe. Chaque seconde, plutôt. Mais c'est satisfaisant. Mais c'est satisfaisant. Hop là. Allez, à demain. Bon, on n'a que 3 slimes et c'est largement pas assez. On va manger et on revient. J'ai une faim de loup. À tout à l'heure. Bon, et ben voilà. Et ben en fait, c'est comme j'ai pas pu patienter, j'étais trop excitée. J'ai pas pu. Du coup, en fait, j'ai pris un chiffon et j'ai tout essuyé. Du coup, ça a des trucs beaux. Pour les éponges, enfin les petites éponges. Regardez, j'ai mis un peu de violet, un peu de bleu. Bon, oui, j'ai mis un peu de violet et un peu de bleu. Pourquoi je parle au slime? Je ne sais pas. Je pense qu'on va rajouter un peu de violet. Parce que là, il n'y a que le bleu, en fait. Voilà, c'est bon. On va mettre le parfum. 2 et 3. Bon, je mets un peu plus que 3 gouttes. Mais tant pis, c'est pas grave. Vanille. Le fond. C'est pas très rigide ce truc. Enfin, c'est de la cuillère plutôt. Regardez, c'est beau. Santé vanille, santé. Regardez, c'est magnifique. Bonne? C'est bonne. Excellent. Excellent. Ajoutez les cubes en mousse un par un et incorporez-les doucement au slime. Continuez d'en ajouter jusqu'à ce que vous soyez satisfait avec votre slime jelly cube. Voilà. Est-ce qu'on le met là-dedans? Oui. Voilà. Alors ici, ça sera trop petit. Bon, c'est bien expliqué quand même. Hein. Ouais, c'est assez que c'est bon, expliqué. Oui, ça va. Vraiment, ça va. Ça va. Hop là, on met tout. Très beau. Voilà, très on sympa. Met un par un. Et, bon, et ben, en fait... avec les cubes, vous voyez, ils sont beaucoup trop gros. Du coup, on les coupe, en fait. On les coupe en petits carrés. Voilà. Le cube, je veux dire. Ah, non, tombe pas. Merci. Merci, Paris. Pourquoi je dis merci, Paris? On a fini le slime. Et regardez. Il est magnifique. Ouais, par contre, ouais. Par contre, dans celui-là, il faut pas mettre de l'argile. Sinon, ça va tout recouvrir les bucs. Et... Enfin, voilà. Du coup, voilà. Regardez ce beau slime qu'on a obtenu. Magnifique. Ma mère, c'est cool. C'est beau. Je fais quoi? Je pense qu'on va poser. Si c'est vous qui regardez cette vidéo qui l'a créée, vous dites que c'est pas trop du gâteau. C'est bien, mais... Ça marche? Non, ça va, ça fait du slime. Oui, ça marche. Non, ça va. Quand même, il est bien ce petit kit. Il est très bien. Écoutez. C'est beau. C'est beau de faire des bêtises. C'est ça surtout. Je pense que comme mon grand-père verra cette vidéo, je suis sûre qu'il va faire... Oh là là. Sûr. Je suis sûre qu'il va dire « Quelle pastagouille tu fais ?» Peut-être là, il n'y a pas le couvercle. Ah, donc on va regarder à l'intérieur de celui-ci. Ouais, de celui-ci. Non, franchement, mais il est bien. Hein. Impeccable.
Non, pas moi. Pour moi, vous avez rien vu, d'accord? Vous avez rien vu. Et ben voilà, on a terminé avec celui-là. On va en faire encore. C'est parti, mon requiki. Vous avez vu, il y a des petites écailles là. Je suis trop contente. Ce thème, c'est mon préféré, je trouve. Bon, et ben notre vidéo est bien heureux fini. Au revoir. Et je vous dis, amusez-vous bien.